Et lui est que d'émotion, il nous en a donné. Ça a été compliqué, les Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques ont été très compliqués pour Boyan Joubert. Mais alors, lors des championnats du monde à Turin, eh bien, il a pu accrocher un podium en prenant la médaille de bronze après sa 16e place à Vancouver. Le champion du monde 2007, le champion du monde 2007, le champion d'Europe 2009. Et là, maintenant, à Bercy, pour vous, son entraîneur Laurent Depouilly. Il tient énormément à ce qu'on parle de Laurent Depouilly également, Brienne. Là, c'est sa symphonie de Formotte. Cette nuit, intenable insomnie, la folie me guette. Je suis ce que je fuis, je subis cette cacophonie qui me la tête à son harmonie. Elle me dit, tu feras des délits, quoi qu'il advienne, on traîne ses chaînes, ses peines. Je vous m'ennuie à la sa symphonie, au requiem. Les encouragements du public de Bercy pour Brian Joubert, le premier champion du monde 42 ans après Alain Calma, qui lui avait été sacré en 65. Il a été Brian en 2007. Il a manqué ses Jeux Olympiques. Il l'a dit, mais il est revenu et il a montré qu'il était un grand champion en décrochant la médaille de bronze au championnat du monde à Turin. Oui, Brian est un immense champion et on voit les progrès qu'il continue à faire sur chaque
passage en public. Là, vous voyez toute l'expression. Il a vraiment énormément travaillé dans le domaine artistique et ça se voit. On lui fait un grand, on lui dit un grand bravo. Il va avoir un magnifique, triple flip. Même en exhibition, il ne retient pas ses efforts, il vous donne tout. Il ne faut pas oublier qu'il a été blessé aussi hein, au pied. Oui. Et que ça l'a handicapé. Une grosse blessure, la deuxième, sur au niveau du pied, sur la prise de l'endoulous. Et nous, on retrouve avec Brian Joubert, Florence Tazanova. Vous avez de la chance, Florence. Gâté ce soir et le public de Bercy qui nous entend aussi parce que je vais pouvoir demander à Brian Joubert comment il se sent de retour de Turin avec une médaille de bronze. Je me sens très bien. C'est pas forcément la médaille qui est vraiment importante pour moi, c'est surtout la performance et le fait de me dire que ben, je suis encore là, je suis encore bon pour les compétitions et je peux encore me battre tout simplement. Vous avez retrouvé vos fans sont là, on est vraiment heureux pour vous. Et est-ce que vous avez retrouvé vos sensations que vous aviez peut-être perdues? Ben, ces sensations, en fait, je les avais perdues depuis pas mal de temps, même la saison passée. Au jeu, ça a été catastrophique. Mais voilà, il faut rebondir. Ça fait partie de la vie, ça fait partie du sport. Et ça a été très dur à Turin, mais ça a marché, donc ça, c'est le principal. Une remise en question qui a porté ses fruits. Bien, merci Brian, et on vous souhaite le meilleur, je crois, pour l'avenir. Bonsoir. Ouais, bravo Brian Joubert et on espère le retrouver aux Jeux Olympiques parce que même si on se rappelle de ses propos après sa prestation à Vancouver, putain j'y arrive pas, tu y arriveras un petit jour, accroche-toi, peut-être quitte Poitiers, mais va voir ailleurs, c'est ce que tous tes amis et ton CI, ils sont nombreux, te disent.